Après des appels répétés et n'ayant eu aucune réponse, nous partons explorer d'autres territoires. À notre sortie, quelle surprise! Un jeune mâle nous attendait, mais sa présence fut brève, et ce n'était pas encore l'orignal convoité. Facile à travailler, hein? Tout est monté d'avance. T'installes tes deux noix, t'installes la longueur d'échelle que tu veux, tâche ton échelle après l'arbre. En frais de stem, je veux dire, c'est un stem qui est super confortable. C'est ça qui est important. Quand on parle des heures d'attente, il faut être patient, donc il faut être très confortable. On tient le bout. OK. Tout ce qu'on a à faire, c'est ça. On met ça là, on le stabilise autour de notre arbre. C'est extraordinaire. Malgré le confort, Daniel dut redescendre pour faire place à notre caméraman. Et n'ayant pas eu le temps de finir de s'installer, une deuxième surprise. Notre présence fut détectée par ce beau mâle. Nous avons donc décidé de changer de place tout en demeurant sur son territoire. Le temps passe et Sa Majesté ne semble pas vouloir s'offrir en cible. C'est avec un peu de désespoir que nous avons dû quitter ce site en fin de journée. Mais nous savions que c'était possible de le faire sortir à découvert le lendemain. Du moins, on l'espérait. Là, Dan, on sait qu'il y a de l'orignal en haut dans la petite vasière. On a vu des femelles, des veaux. Le bas qui est autour, c'est sûr. On est dans le temps du rythme. On a le main trail ici qui va là. C'est sûr. Absolument. Que ça voyage beaucoup par ici. Ça descend, puis ça repasse dans le chemin, puis ça prend le bois. Ou il va sortir du bois, puis il va monter ici. Absolument. Pour aller à la vasière. Ils vont où il va. On souhaite, il va. On souhaite bien, oui. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu d'urine. Vous autres, on est posté en haut, je ne sais pas, toi, t'as une shot à peu près de 25 mètres. Environ. S'il sort ici, on s'en occupe à l'arc. S'il sort en bas, on s'occupe de ça avec la carabine. Ça fait qu'on a une chance sur deux. Les possibilités sont là. On a une chance sur deux, la carabine. On vous laisse aller vous poster. On a peut-être un 15-20 minutes là, pour étendre l'urine un peu. Moi, je sais bien que je travaille toujours avec des odeurs d'urine. J'ai masqué mes odeurs, moi, personnellement, avec l'urine de boc. Ça fait que je vais me promener ici. C'est sûr que je vais masquer beaucoup mes odeurs. Je vais répandre un peu d'odeur. Là, je vais mettre un peu d'urine sur les têtes d'arbres, puis ça devrait être bon. Fait que, on va essayer de les ralentir dans ce coin-ci, puis ça va bien aller. Fait que, ça va se passer. Thank you.
tiens-toi pour ça. Yes, sir! Content! Un beau bot. Yes! Content, mon homme? Oui, monsieur. Oh, il y a une alarme dans tes yeux! Oh, ça a été une semaine. En émotion. En émotion. Je peux serrer ma caméra, les gars. Là, oui, serre-la ta caméra. Tabarnique! As-tu vu les autres sortir à la vitesse qu'elle est? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le petit boc d'une trentaine de pouces, c'est un enfer. La chose que je veux mentionner, là, c'est beau que tu aies dit que tu n'avais pas achète parce qu'elle était trop longue, une bonne discipline, mais qu'elle n'ait pas tiré ses premiers orignaux là, parce qu'on entendait. T'as-tu entendu? C'est un enfer. Mais c'est parce qu'on s'était donné... vois-tu la patience? Normalement, on s'était donné un challenge. Absolument. Donc, on s'est rendu au maximum. Ça prenait 40 pouces. Moi, là... En tout cas, c'est ça. Ça des palettes. Moi, d'après moi, c'est un 44-45. Absolument. Je l'entendais. Le principal, c'est que ce soit à terre et qu'on croit que les images vont être superbes pour nos amateurs de chasse. Oui, mais monsieur. L'autre chose là, qu'on veut mentionner aux gens, c'est que ça ne s'arrête pas à ça, la chasse. Là. On vous l'a montré, il y a des préparatifs. On respecte le gibier autant que n'importe qui sur cette planète-là. La seule chose, c'est qu'on pratique un sport. Puis si on veut continuer à le pratiquer, bien, il faut le pratiquer avec une réglementation suivie. Alors, on vous incite à ça. De cette façon-là, bien, des gibiers comme ça, des récoltes comme ça, on va pouvoir en faire avec pendant plusieurs années encore. Puis ça, là, on bafouille un peu à cause des nerfs. Mais je peux vous dire, hey, les gars, félicitations, mission accomplie. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Yeah. Pour cette chasse à l'orignal, Daniel et Norman tenteront leur chance à l'arbalète. Chacun de leur côté, assisté d'un caméraman, ils défieront ce majestueux gibier. Une femelle et son petit font apparition. Un spectacle fort impressionnant. Mais restons concentrés car le mâle va peut-être suivre. Après quelques temps sur ce site, Norman décide donc de changer d'emplacement. Une autre femelle. Dans l'esprit de Norman, il est clair que nous attendons le mâle. Daniel voit passer un beau mâle. Malheureusement, la distance qui les sépare est trop importante. Notre chasseur, consciencieusement, ne risquera pas un tir qui ne pourrait que blesser l'animal.
Le déplacement vers son nouveau site porte fruit. Norman tente de se rapprocher de ce mâle. Essayer de l'avoir, lui. Regarde, ça en a un beau, fils. OK. Fait qu'on s'installe ici. Hey Norman, je suis allé te chercher, j'étais super content. Mais qu'est-ce que je veux te dire, c'est qu'on vient de le tirer, ça fait peut-être une heure, OK? Ouais. Mais d'après moi, la flèche est vitale. Il y a mais vous n'êtes pas allé voir, là? On n'a pas été voir. Okay. La seule chose, on en a bien remarqué la place où est-ce qu'on l'avait tiré. Bien, avec ce que je vois ici, je pense que c'est dans ce coin-ci. C'est dans ce coin-ci, parce que regarde juste, quand on voit qu'une flèche est vitale, regarde, c'est on voit ça. Juste là. Puis le sang est clair. Exactement. Donc, très bien positionné là, pour tirer. Là. C'est ça. Donc, en principe... Notre maître Rattler a fait sa job un matin. Oui, monsieur. Ça a été numéro un. La seule affaire, une manque à serrer sur le gâteau. Il faudra aller le chercher. Ben, moi, on essaye ça. On va te laisser passer en avant. Là, pas de problème. Regarde ici, c'est l'enfer. Ça continue. Il y en a des fois, on est chanceux là, d'avoir des traces de sang. Même, il y en a des fois qui courent après des gouttes. Après des gouttes. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est sûr, mais regarde, ce matin, là, une traînée de main, mais mon Dieu. Regarde, Daniel, là. Juste pour expliquer aux gens, là, on va prendre deux petites secondes. Regarde la hauteur. On a du sang, là, à peu près jusqu'à 4 pieds de haut. Exactement. Donc, c'est sûr que cet animal-là... Ah, puis regarde, là, on a vraiment des caillots de sang. Oui. C'est sûr que c'est pas juste à terre qu'il faut regarder pour trouver du sang. Hein. Souvent, là, à des branches, là... Même souvent, les gens disent, ah, il est passé ici, on n'en voit pas. Il faut regarder le dessous des feuilles, c'est super important. C'est ça, exactement. Important. Ça flatte, ça frotte sur le... Puis même en passant, il va lever les feuilles, le sang va tomber en dessous de la feuille, il repasse, pouf, la feuille sort. Exactement. Puis il y a une autre chose, donc, ça prouve qu'il est tiré à la bonne place. C'est ça, exactement. Exactement. Exact. Là, problème, ça fait qu'on continue? Les gars, il est pas loin. Là, ce serait important, là. De regarder à nos alentours. Hey, Norman, je pense qu'il est là. C'est un petit peu. Daniel, il est à terre. Hey, yes! Oui, monsieur! T'as un petit peu, ouais. Ah oui, non, oui. Il est mort. Oui, monsieur! T'es beau, boy! Hey, Daniel, il y a encore la flèche. Hey, monsieur, t'en as un peu pour mettre mon arbalète ici. Hey! Ah, moi, là, on saute, oui. Oh, oui, monsieur. Regarde, quand on dit qu'une flèche est parfaite, là, ah, oui, tu peux pas avoir mieux que ça. Après, je vais l'enlever. Là, qu'est-ce qu'il faut faire, Daniel? Là? Parce qu'on est... Il faut mentionner aux gens qu'on est en début de saison. OK. On est dans la troisième semaine de septembre, donc on a encore des températures chaudes cette année. Il y a encore les velours sur le panache. C'est signe qu'on est en début de saison. Mais il avait commencé à gratter. Regarde, là, les velours commencent à se défaire. Oui. Il avait commencé à gratter. Oui. Alors, hey, les gars!
Félicitations, madame. Je suis vraiment content. Félicitations, bravo. C'est beau, c'est bien. Un peu plus tard dans la saison, nous accompagnons notre ami Jean-Guy qui, à son tour, tente sa chance, mais cette fois-ci, à la carabine. Bonne chance, Jean-Guy. Cet animal a attiré notre attention. Jean-Guy décide donc de le gracier. Sera-t-il récompensé pour son geste? Ça va bien. Étant donné la décision de Jean-Guy, Daniel, question de perfectionner ses techniques, tente une approche plus agressive. Suite à la réaction du gibier, nous pouvons améliorer notre stratégie. Il est bon de se servir de ces occasions pour les mettre en pratique. Le temps venu, elles devront être à point. Là, j'en gagne un autre. Oui! Good! Oui! Tu as touché! Ah! Il est tombé! Oui, un petit peu. Ah, oh, ben, regarde-moi, c'est la grosseur de cet orignal, Jean-Guy. C'est pas un trophée, c'est un super trophée, d'après moi. Hein? Regarde-moi ça. Jean-Guy, t'en voulais un? T'as un petit pont vert qui se prend par en arrière ici, Jean-Guy, viens. Ben, voilà. Ah, regarde-moi la largeur de cette palette. Ah. Hey. Regarde ça, Jean-Guy! Hé, hey, mon homme! Regarde ça! Hey. T'as pas bien gaffe, hein, regardez ça. Regarde-moi donc la bête, toi! Sacrifice! Hé! Hey. Regarde ça, là! Hé! D'avoir à peine de montrer ça! Tu es monstre, toi! Hé! Ça n'a pas d'allure! Hey! C'est number one! Number one! C'est beau! Ça, c'est un bon, mon homme! Prêt! Ça n'a pas de bon sens! De toute beauté! Regarde, Jean-Guy, tout ce qui est pincé! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Hey, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? J'aimerais ça aller chercher, moi! Le galon à mesure. Hey, Maggie, on mesure ça. Il faut qu'on mesure ça. On va pour les incrédules. Ouais. Ça peut, ouais. On a fait un petit garreux, on disait que ça sautait à 60. Hey, 65 pouces. Non. Thank you.
la chasse à l'orignal. Nous ferons la preuve dans ce film que l'union fait la force. Pour mieux exploiter leur territoire de chasse, Sylvain et Norman décident de se séparer pour couvrir le plus de terrain possible. Sylvain, après quelques heures, fait une approche auprès d'un jeune mâle. Mais ce n'était que pour vérifier l'efficacité de ces techniques. Celle-là, il est un petit peu trop petit, Dan. On va se donner une chance, mais je vais juste essayer une approche tout seul dessus, OK? De son côté, Norman, accompagné de son chasseur, fait aussi une approche en prenant soin de mentionner à Daniel qu'il n'aura pas à faire feu sur cette bête. Ça sera la chatte écœurante. Hey, mon homme, toi, tu m'as fait triper. Toi, tu m'as fait triper. Ah, oh, Dan, c'est écœurant. Ah, oh, c'est incroyable les sensations que ça fait. Là. Regardez, notre bac est là. Hein? Oh, 40, 45 pieds maximum, esprit. Ça, c'est le vrai plaisir de la chasse. Là. Norman a remarqué un orignal gros format en bordure du bois et demande à Sylvain de se joindre à lui pour réussir ce à quoi vous vous attendez. Là, je t'ai appelé parce qu'il y a un boc, d'après moi, 45, 50 pouces à peu près. Il était là dans le champ. J'ai lâché deux coups de boc, OK? J'ai brossé la palette un peu. Il y a eu une réaction. Là, il a décidé d'être nonchalant. D'après moi, il n'avait pas entendu de femelle. Okay. Ce que je pense, là, si toi, tu faisais la femelle ici, puis que moi, je faisais comme si j'allais l'affronter, parce que regarde, il y a une talle de sapin là-bas que je vais cacher les gars dedans, les tireurs. Puis moi, je vais continuer à monter vers lui pour, si jamais il sort là-bas, les gars vont être là. Puis s'il sort par ici, les gars peuvent le shotter pareil. Vu qu'il rentre en amour, quand il va faire les sons plaintifs, vu qu'on est rendu le 1er octobre ce matin, ouais. C'est
c'est automatique, on a une réponse, puis... On travaille-tu à deux de même? On travaille ça à deux hommes, on a un seul matériel. Moi, là, tu couvriras mes bruits avec ouais, des c'est ça. Moi, on m'a monté, là, puis... Moi, rendu là-bas, quand tu vas faire la femelle, on m'a gratté, moi, bas, puis gratté, puis... Ça marche? Oui. Baissez-vous, c'est ça. Baissez-vous. Yes! Good job! Woo-hoo-hoo-hoo! Alright! Alright! Oh! Belle shot! Hey, belle shot! Oh, que c'est plaisant! Sylvain? Méchant job, méchant job. Yes! Si je gagne. Yes! C'est bon, Dan! C'est bon! Yes, sir! Hey, as-tu vu? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On a saisi pas mal. On se disait qu'on attendrait peut-être un 15-20 minutes. Fait que, on va attendre un peu, là. Toutes des images, mon homme. Ah oui, oui, oui. C'est super. C'est bon. C'est super bon. Content d'avoir ouvert. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre un peu, on va se relaxer. Puis là, dans le temps que tu montais, tu faisais le boc, moi, quand on l'a fait. C'est ça, je t'entendais, puis là, je montais, puis je faisais juste clac, 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 puis un branche un peu. Mon gars, je voyais la tête tutoyer, l'oreille s'en venait sous moi, puis là, tout à coup, la tête suivait, puis ah, oh, c'est il super! Rassait, puis il rassait, anyway. Il est peut-être, d'après le rangefinder, là, quand je l'ai pris sur le rangefinder, là,
Il était à 71 mètres d'ici. Ça fait que c'est pas... C'est mon point 250 pieds. 230 pieds, mettons, là, puis on se trompe pas. Ça fait que... Il était bien, bien placé. Et vous, les gars! T'es content? Et vous, mon beau travail. Beau travail, ici. Quand on va le voir, Sylvain, là, on va laisser passer Jean avec la carabine pour s'assurer. Regarde, Sylvain, à droite, là, là. Et voilà. Hey, on va laisser passer Jean en premier avec la carabine. Tu vas aller vérifier si ton animal est bien décédé. Mais d'après moi, là, je gagerais là-dessus. Ben, comme il a tombé, je pense pas garder. Ah oui, on a une belle bête. Hey. Hey. Oh, si, vol! Un beau ah, trophée, beau, mon Jean! Oui, oh. Félicitations, regarde! Beau, hey, garde ça, le beau bol! Hey, oh. Le beau trophée! Ah, bah, le gars, il est dans le palette, toi! Ah, oui, oui, oui! Oh, si, vol! Bon, hein? Attends un petit peu, attends un petit peu, Jean! Juste question de sécurité, on va prendre l'arme, puis on va s'assurer que tout est déchargé. Les gars, on décharge tout le monde des armes, puis on va être sûr comme ça qu'il n'arrivera pas d'accident. Il faudrait pas gâcher un beau chose comme ça, là, juste parce que... Guide ne pas jamais sans son galop. Oui, mais c'est... Ah oui! 42,5. 40,5. C'est pas mal le non, top. Non, c'est ça. 42 pouces et demi. 42 pouces et demi, mon Jean. Hey! C'est beau, Jean. Félicitations. C'est bon, là. Beau travail, c'est du beau travail. Eh oui, gars. Hey. Yes! Dire qu'il y a une demi-heure, là. Ouais. Trois quarts d'heure. On est arrivé. Ça se fait vite. Regarde-moi la bébite qui sort de là. Il y a des belles palettes, hein. Puis quand ça vient sur le col comme ça, hein, c'est-tu impressionnant? T'as le temps de savourer, là. En il rotait, hein, puis il est... Exactement. Il sent aussi le mos, lui, aussi. Fait que là, c'est un mélange d'appel. C'est un mélange d'odeurs qu'on a camouflé avec l'éliminateur. On a travaillé avec les odeurs d'urine. Aujourd'hui, sur moi, j'ai travaillé... En appliquant de l'urine extrême de boc dominant. Sylvain avait mis de l'odeur de femelle qu'il y en a qui a vaporisé dans les airs. Donc, on a pas mal fait là, pour que ça arrive. Le petit apôt, là, ben, veut pas, ça fait la job. Ah ouais, non, un petit call pour finir, Sylvain. Petit call de femelle. Ça, là, la femelle plaintive avec ce call là, là, tu peux pas avoir mieux que ça. On va y aller avec un boc. Ça L'Orignal, un défi de taille pour tout chasseur.
Rehausser le coefficient de difficulté en utilisant un arc en pleine période de chasse à la carabine est le défi que se sont donné Daniel et Gino. Les premiers appels sont lancés. Les orignaux sont là, mais trop loin pour décocher une flèche qui aura un impact voulu. Après plusieurs tentatives, il semble y avoir de l'action devant Daniel et Gino. Devant, oui, mais surtout à côté, ce qui surprend encore plus nos chasseurs. Il est là, regarde, laisse-le faire. Laisse-le faire, il est là. Un peu, on bouge pas. Hey, c'est pas attaché, les deux. Je pense qu'on va te boc en plus. D'après toi, Daniel, la flèche? La flèche est bonne, elle est basse, une petite affaire, comme oui, ma guide. Tout est bon, tout est bon. On va se prendre un peu ici.
Il est là, Daniel, regarde, il va. On laisse faire, avance pas. Il est juste là. Puis il commence à fatiguer pour moi, là. Oui, 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 il va fatiguer. Les gars, prenons notre temps. Prenons notre temps. Pas pousser. Pousse-le pas, il est bien, il a la flèche à bonne place. Il est là, regarde, juste là, là. Tu le vois? Il marche, il va mal, regarde, il est là. Regarde, regarde, regarde. Jean-Claude, tu le vois-tu? Il est là, c'est lui, regarde. Attends, fais-tu vois, là. Et tu vas passer là-bas, là. Ça fait que, Gino, on va... Là, regarde, ça fait presque une heure. Je l'ai tiré, il devait être 7h20. On est maintenant à 8h20, 8h25. D'après moi, la flèche est belle, OK? Mais un orignal, je le mets toujours... Je me mets 80 % en principe, là, mais on a quand même de beaux indices. Ça fait qu'on va y aller tranquillement. Tranquillement, puis on va regarder... si on est capable de retrouver ça, là, ça va être super. On y va, on part après ça. Il est noir, vraiment. Ah, c'est lui, Daniel. Yeah. Oh là, il est d'accord à vivre dans sa potation. Hey, il est super beau! Il est ici. Oh là 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 là. Il est beau, Daniel. Ah, il est super. Hey, il est large. Yeah. Allez, attends. Attends une seconde ou deux, il est beau. C'est une autre. Non, non, il est correct, gars. Ah! Yes, sir! Yo, moi, ce bel orignal, on capote! Yes! Yes, sir! Ouh! Hey, juste pour dire, ça, on a attendu 1h15, OK? On l'a piqué, il devait être 7h10. Puis, on a attendu jusqu'à 8h30 environ. On est parti dessus après. Mais juste pour vous dire, il a fait quand même un bon bout. On a fait un 800-900 pieds. On l'a relevé un petit peu. On a rattendu après. Puis là, regardez qu'est-ce qu'on vient de voir. C'est de quoi de l'enfer. En tout cas, j'en viens pas. Pas mal d'expérience à l'arc, mon homme. C'est-tu de quoi? Ça doit avoir un bon... C'est une coche. 44-45 pouces. C'est super beau, ben égale. En tout cas, de toute beauté. Hein? On va aller dans le... C'est beau, gros, de tout, hein? Hey! Transportons-nous maintenant avec Norman et Sylvain pour une autre chasse de l'orignal. Toi, tu t'en vas où? Oui, Norman, j'ai une saline de fait ici dans le coin, OK, où je vais t'envoyer ce matin. Après le lac brûlé, je vais refaire une autre saline là. Moi, je vais m'en aller là avec ma fille et ma tante. Puis je vais te laisser avec okay. Alexandre là, à sa saline là. La saline est cachée dans le bois. Tu ne verras peut-être pas, là, parce que, mais dans la treille là, directement. Là. Mais où tu as mis l'urine hier? Oui, regarde où j'ai mis l'urine hier, là, tu vas t'installer là. Puis un des deux, ça va faire ce matin sur le. OK. Ouais. Genre, on est grêpe en période du cold. On est le 25 septembre ce matin en plus. T'as dit qu'avec les sons qu'on a entendus hier au soir, on a bien vu que l'accouplement est en plein dedans. Là. Okay. Stéphanie et sa tante Lise accompagnent Sylvain pour leur première chasse à l'orignal. Elles sont chanceuses de voir une magnifique bête qui, malheureusement, ne se présente pas assez bien pour que Stéphanie effectue un tir efficace. Un peu plus loin, dans un autre secteur, Norman et Alexandre se préparent eux aussi pour la première chasse à l'orignal de notre jeune Nemrod qui a 12 ans. Entre 500 et 1000 pieds à
marcher. C'est beau. Tu remontes ton arme. Tu vas charger ton arme. Bouge plus. Je peux te tirer. Je t'ai égaillé, là. Je peux tirer. OK, c'est beau. Relax. Yeah. Il est mort. Mais il est mort. Adoué. J'espère. C'est-tu ton plus gros? Je sais pas, mais il m'a tué. Tu comptes? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller. On va aller. On relaxe un petit peu, là. Ouais. Ça donne rien, là, de partir tout de suite dessus, Alexandre. C'est sûr que toi, ta shot est faite, OK? Ta job est faite. Ouais. Puis ça, oublie jamais ça dans ta vie. Ça donne rien de partir tout de suite puis arrêter dessus. On le laisse là, OK? On va le laisser mourir. On va le laisser. Il faut toujours attendre un certain temps pour s'assurer que le tir a fait le travail. Norman et Alexandre vont enfin pouvoir constater si notre jeune aura récolté son premier orignal à vie. Oh, la belle bête, Alex. Je ne sais pas si tu en avais déjà vu. Non. C'est ton premier que tu abats, mais t'en avais-tu déjà vu? Hey, je peux te dire qu'on a toute une bébite. Oh! On va regarder s'il est mort. Pas à peu près. Oh! Tiens, touche avec ta carabine. Et voilà! Il est mort! Oui. T'as l'air sur le gun un peu, mon homme. Un peu, oui. As-tu vu la beauté de ça? Oh! Oh, tabarouette! Hey! Oh, monsieur! Tabarouette! Hey, Alex, je suis vraiment fier. Regarde, c'est de toute beauté. Hey, tu vas me faire un plaisir. Tu vas décharger ton arme, OK? Tu vides ça complètement. Mets ça un peu plus loin, on appelle ton oncle Sylvain, puis... Vis tes émotions, mon âme, c'est le fun. OK? OK. Ton neveu, il a son premier orignal. La première expérience en plus. Alex le terrible. Oh! Un, deux et demi. Et bon, ça, c'est bon, l'exemple. Regarde-moi l'argent de ça. Regarde-moi l'argent.
Alexandre va pouvoir se faire un morceau. Oh, oh, oh. Hey, c'est hey, il est des belles palettes, hein? Garde-y la face. Il est heureux, ton homme. Hey! C'est beau, ça. Ouais. Hey, mon petit neveu. Là, Sylvain, là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, regarde, on pique ça ici, puis that's all, là. Hey, ça sera pas dur à sortir ça, hey, là. Ça a-tu 50 pouces? T'as-tu ton ruban à mesurer? Si, il doit avoir mon ruban à mesurer sur moi, oui. Good. On va mesurer ça. Et t'as la ouette, il s'allurait, lui aussi, hein? Ah, c'est effrayant. Ouf! On est... On va mesurer ça. Toi, d'après toi, à l'œil? D'après moi, à l'œil, c'est à 48-46. OK. Moi, je vais te dire, avant qu'on aille plus loin. OK. J'ai dit à Alexandre 48 à 51. Ouais. Hein, okay. C'est ça? Fait... Parce que cette valeur, il aurait gagné. Mais regarde, regarde la pointe qui est cassée là. OK, on commence. Hey, as-tu vu les défenses qu'il y en avait de ça? Ouf! Puis regarde comment il est égal son panache. Là, ici, on l'a. Ici, on l'a 47. 47, OK. Okay. Ici, on l'a 48 et un quart, Sylvain. Ouais. Ici, on a 48 pouces et demi. Et demi? Là, c'est filmé là, il n'y a pas de truquant, c'est notre plus large. 48 et demi, regarde. Tiens, drette au centre de la pointe, là. 48 et demi. Pouces et demi. Hey, Alexandre, en premier, tu commences en Lyon. Hey, que je suis content. 48 pouces et demi. Sylvain, tu sais, quand tu dis au monde, quand tu guides, t'as autant de feeling que... Regarde, aujourd'hui, là, petit homme était là, là je te le dis, là, le cœur me battait plus vite à moi que lui. Là. J'ai capoté. Alexandre, c'est la relève en plus. Il est depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, qui nous suit partout en plus à la chasse. Avec... C'est ton premier orignal. Oui. OK. Quand la croix était dedans, là, qu'est-ce qui se passe entre les oreilles? J'ai dit, faut pas que je manque une belle bague de Les émotions, notre famille en ont vécu, et elles seront le théâtre de plusieurs discussions dans les mois à venir. Vous aussi devriez en faire l'expérience avec les vôtres. Daniel et France, avant d'aller s'installer dans notre place de chasse, on va bien enlever notre odeur humaine, OK? C'est un produit que la compagnie Bug Expert a fait, OK? C'est un produit qui s'appelle Automne. Fait qu'on va se mettre ça un peu sur nous autres, OK? Ça cache toute notre senteur humaine, puis il n'y a aucun trouble. Sur de la senteur, pas désagréable, c'est vraiment une belle senteur. L'important, c'est d'en mettre un peu partout, et surtout nos pieds. C'est-tu comparable à Eliminator? C'est la même affaire. Sauf que moi, je favorise beaucoup plus l'automne que l'Eliminator. Parce que ça sent beaucoup plus la terre noire et la forêt morte. OK. Ouais. Les parties les plus à mettre, c'est surtout les pieds, parce que souvent, on est dans le camp de chasse, il y a plein de senteurs de quoi que ce soit. Exactement. En partant, tu élimines ça. Fait que France va t'en mettre un peu en dessous de tes pieds. Puis sur toi aussi. Hein? Il y a mon Daniel, toi. C'est vrai que ta senteur est... Elle n'est pas désagréable. C'est une belle senteur. C'est vrai, hein? Tes bottes. Fait qu'on va s'avancer directement au bout de notre spot de chasse. OK. Mais Sylvain, tu ne voulais pas mettre peut-être de l'odeur pour les urines? Les bontons d'ancien, on va le mettre directement où on va s'installer. Bon, OK. C'est excellent. En fait. Nos chasseurs se déplacent environ 1000 pieds plus loin. Et c'est à cet endroit précis que Sylvain répandra les odeurs afin d'éveiller le sens olfactif du roi de nos forêts. Enfin, le ou les mâles du secteur. Ouais, c'est
parti mes bâtons d'encens ici aussi. On fait une check séance de call ici. On est pas mal sûr que notre orignal va arriver directement de là. Quand on voit bien la fumée qu'elle barre qui. Fait que mes cales, en portant dans cette coulée-là, vont vraiment se propager, puis il n'y aura pas de trouble. Excellent. Fait que pour partir, il va vous faire une suite, une séance de cales, puis de rocking, tout de suite. OK. C'est de toute beauté, là. Rien à faire. Ce mâle a découvert la stratégie de nos chasseurs. Fait que Daniel, on va changer de place, OK? Okay. Tu veux comment il nous est arrivé par en arrière? Oui. Fait qu'il ne reprendrait pas de chance. On va aller voir le bord du bûcher. On a une plus belle visibilité. Okay. On va monter un petit peu plus haut. C'est pas, ça donne à peu près 100 mètres. Mais d'après moi, ils vont arriver de là. Là. C'est, aujourd'hui, ils sont sur l'autre secteur. Parce que j'entends les femelles caler le bord. D'après moi, ils sont là. Fait que venez-vous-en, on va se mouver de place à peu près de 100 mètres. OK, c'est beau. En se déplaçant de quelques centaines de pieds vers l'autre versant de la colline, nos chasseurs appliqueront les mêmes techniques en espérant déjouer le grand cervidé. Oui, j'ai une belle taille de sapin pour faire mon rockling, donc okay, faire toutes c'est mes clair. Affaires là. Je vais mettre un peu encore de senteur d'urine là, présentement. On a allumé le bâton d'enceinte tantôt. Bon, oui. Le petit boc est venu tout de suite, bien, comme il faut, c'est calme. On va se déplacer pour pogner mon gros boc qui se tient dans ce secteur-là. OK. Fait qu'installez-vous aussi. Okay? Bien, Trance va s'installer là. Ouais. Il va pouvoir s'accoter sur la. Bien, comme il faut, en plus. OK. Et moi, je m'en vais justement à mes deux heures pour faire mon rockling de mes séances. C'est beau, Sylvain. Okay. Alors, je ne fais pas égaux. On va s'installer ici, de France.
là. Yes! 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 Woohoo! Tire-y un autre! Tire-y un autre! C'est bon! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Blanc! Oh, j'ai là. Yes, monsieur! Yes, hey! C'est là! Yes, mon blanc! Pas de niaisant! Il est beau, il est beau! Yes! Pas de niaisant! France Boucher, oui, monsieur! Parfait, mon homme! C'est correct! Hey, t'avais dit français? Ben. T'avais dit, on avait confiance, mon homme! Ouais. Parle un peu, ça. Ben, ça ouais, ben, hey, ça fait quatrième boc, c'est mon cinquième boc que je fais sortir ici dans pas grand temps, c'est grave! Impressionnant! Là, je le vois sortir dans la baume, oui! J'avais hâte qu'il y en a qui se dévient! Bon, Sylvain, je veux te féliciter à soir, là, ça m'a impressionné encore! Je suis un gars de même, je suis un passionné, puis quand je vois un gars qui travaille avec des bêtes comme Sylvain fait, pour moi, là, garde. Un enfer. Garde. C'est pas mieux que ça. T'as qu'à voir les petits de l'enfer, hein? Hey, les gars, j'aimerais ça qu'on y aille voir notre bike, OK? Ouais, pas de problème. Ouais. Hey, ça va être content. Sylvain. C'est lui. Écoute, ça va. C'est lui. 5,47. Ouais, c'est ça. C'est bien parfait. Il y a des palettes, puis c'est le temps de prendre une décision. Il fallait que ça se fasse. Garde. Go, on s'en va après ça. On va aller avertir les gars d'abord. Ça s'en vient, mon ami. On n'aura pas de misère. On va avertir nos gars, Sylvain. C'est lui qu'on a vu tantôt, Sylvain. Ah, ouais, c'est lui. Ah, ouais, c'est lui. C'est ça. Tu sais qu'il est plaisant, on a vu. Ouais, puis gâte. Oui, je te l'ai vu sortir là le tout, Daniel. J'avais hâte que tu le vois. Il montait, mon gars. Ah oui. Et hey, puis là, on l'a entendu roter, là. C'est pour ça que les petits sont si nerveux. Ils savent que lui, t'es ici, là. Ouais. Ah, t'as une belle pièce. Parce que là, je me demandais, j'ai dit, tabarouette, on en a vu deux autres. Hey, les gars, on va vous avertir. Vous ouais. Regardez, là, OK, c'est parfait. Oui, monsieur. Donne-moi notre belle bête, hein? Oui, monsieur. Hey, hey. Puis là, on vient d'aller rejoindre notre chum. On leur a dit que la chasse était terminée. Et puis, Sylvain, encore des. Tu nous as fait vivre encore des émotions. Merci, Dan. Bon, Sylvain. Merci, François. Un coup de carabine vraiment superbe. Fait que je pense que nos amateurs de chasse vont être encore servis à soi. Une dernière petite chose. Moi et Sylvain, on s'en va rejoindre deux de nos compagnons pour faire une chasse à la poudre noire à l'Orignal. C'est pas n'importe quoi, mais France, j'aimerais... Oh, la belle bête, sa belle bête-là. Regarde ça, sa belle bête-là. Ah. Yes, sir! Fait que Sylvain, on est rendu encore à notre période de chasse, encore cette année. Puis, tu m'as demandé un petit quelque chose de t'emmener deux gars qui voulaient faire l'Orignal à poudre noire. Puis, c'est pas n'importe qui. Je t'ai emmené mon chum Frédéric Hudon. Je te présente Sylvain. Ouais. Ça, c'est Guy Savard. Vous vous connaissez quand même depuis quelques années. Ouais. Fait que là, Sylvain, je pense que sur le terrain où est-ce qu'on est, t'es venu préparer la zone. Hein? Oui, j'ai fait trois bonnes salines, Daniel, que j'ai rafraîchies 4 à 5 fois pendant l'été. OK? Oui. Puis, vu qu'on est le 30 septembre, on commence à chasser demain, qui est le 1er octobre. J'ai un marécage qui va être assez touché pour faire vraiment quelque chose de hot là, dans ce marécage-là où ma saline est présentement. Excellent. Qu'est-ce que je veux, comme vous dit, les gars, c'est d'amener un orignal en dedans de 30 mètres, qu'on fait vraiment triper nos spectateurs, OK? Pour vous faites votre shot-là, que le monde vraiment trippe bien. C'est sûr qu'on peut le tirer à 100 mètres, mais moi, je veux pas qu'on le tire à 100 mètres. Je veux qu'on le tire à 30 mètres. Ça, c'est mon devoir à moi. Et le devoir de tir, c'est à vous autres de faire votre belle shot. Bah, ben, ça, je suis pas inquiète. Si chacun d'eux, Fred puis Guy, chacun d'eux font le job. Je te dis, on est supposé de faire un excellent film. Sur ça, les gars, on va prendre une petite consommation, puis qu'est-ce qu'on fait après? On s'en va se coucher. Oui, c'est bonne semaine de chasse, les gars. Bonne chasse. C'est bon. Pendant que nos chasseurs tenteront de dormir, allons voir la saline que Sylvain a préparée au printemps pour cette expérience à la poudre noire. Premièrement, Sylvain se doit de bien démêler la terre.
Deuxièmement, neutraliser le sol, ce qui veut dire équilibrer l'acidité, assurant une meilleure performance de nos produits. Troisièmement, ajouter le soufre qui, une fois mélangé à la terre et arrosé par les pluies, attirera l'orignal au même titre que le ferait une vasière sulfureuse naturelle. Quatrièmement, il faut ajouter les sels et minéraux qui contiennent tout ce dont l'orignal a besoin pour optimiser la qualité de l'allaitement chez la femelle, la croissance ainsi que le développement des os et panaches de nos orignaux. Il est très important de s'assurer qu'une bonne quantité de sel sera déposée sur notre souche tout au long de l'été, puisque la pluie et la visite des orignaux à ce site auront vite fait disparaître les produits répandus au printemps. Sixièmement, pour terminer, notre gâterie. Le produit éruption, un mélange de poudre et de liquide qui produira une réaction formant une croûte de mousse durcie qui, soyez-en assurés, ne laissera pas notre gibier indifférent, au contraire. En attendant la vision idéale du plein jour, et avant de se rendre à l'endroit où Sylvain a prévu s'installer pour la chasse, il propose de monter sur le plus haut sommet de montagne de leur territoire pour fournir à nos chasseurs une vue aérienne du site où ils se dirigeront. Saline, OK. J'allais s'installer sur le bouton ici, OK. OK. Moi, je vais aller m'installer là pour faire mes séances de call, mes séances de rocking, OK. Excellent. À la minute, regardez-moi un tout le temps, de temps en temps. À la minute que vous détectez un son de craquement ou quoi que ce soit, ou vous autres détectez un son, faites-moi signe tout de suite, parce que moi, des fois, quand je fais du rocking, je ne détecte pas tout. T'as de la misère à entendre, bon, c'est parfait. Fait que vous autres, à la minute, vous entendez quelque chose, montrez-moi quelque chose que vous avez entendu. Excellent. Fait que moi, je vais m'installer pour me préparer, vous autres, installez-vous ici. Moi, je vais rester séquence. Avec les gars. Bon, ben, c'est parfait. Le numéro 1. Hein. Okay. Merde les gars, on lâche. Boy, boys, boy, boys.
Guy, t'es chargé. Oui. Viens-t'en, viens-t'en avec moi. Hey, frère!
Ça va bien! Hey, Sylvain! Sylvain! Vous l'avez dit? Yes! Hey, les gars! Incroyable! On a vu les pointes d'après ça! On a vu des sensations, hey, les boys! Juste une minute, OK? On vient de vivre de quoi, là? Sylvain nous a fait sortir un 2 ans et demi, OK? Mais il restait ferme, il disait, il y en a un autre plus loin un peu. Ça a pris 1 heure, il a fait sortir ça. Ah, c'était incroyable. Ça a été fait à poudre noire. Oui, monsieur, à poudre noire. Une expérience qu'on n'avait jamais faite, puis ça y est de se faire. Ce matin, on est le 1er octobre. Oui, monsieur, moi, le 1er octobre, c'est mortel pour moi. C'est ta journée. Alors, amateurs de chasse, je pense que vous avez vu des images vraiment spectaculaires. Sylvain, encore une fois, tu as réussi à nous faire sortir. On peut dire que c'est un, regarde, en frais de bois, en frais de corne, là. Je ne peux pas avoir meilleur panache que ça, comme la beauté de tout ça. Il y a 26 pointes que vous avez 26 compté. Pointes. 26 pointes. 50 pouces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 points. 24 points. 50 pouces. 50 pouces, 3 quarts. Donc, on peut vous dire de quoi, là. On a vécu des sensations. On l'a entendu venir. Sylvain l'a détecté. Mais qu'est-ce qui a été bon, c'est qu'il y en a un de 2 ans et demi qui s'est approché avant. Puis vraiment, là, Sylvain a dit, « Oups, j'entends de quoi, vraiment, de quoi de plus loin. » Puis on voyait que le petit bois qui était plus craintif un peu. T'es vraiment nerveux. Là, ah, vraiment de quoi de super. Puis je pense que Frédéric puis Guy ont fait une job extraordinaire. Une belle shot en plus. Hey les gars, je voulais vous dire encore félicitations. Guy, yes. Félicitations. Félicitations, Guy. Les merci infiniment. Et Sylvain. Yes, sir. Ben, tout le monde, on va se le redire encore. On vous souhaite ça une fois dans votre vie. Faire venir une pareille bête à 80 pieds sur le corps. 80 pieds. Puis je pense que je le dis et je le redis encore, les sensations qu'on peut vivre sont extraordinaires. Puis à tous et à chacun, on vous souhaite bonne pêche et bonne chasse pour 2006. Yes, sir! Salut la gang, alors on est maintenant rendu avec nos amis de Trois-Rivières. Écoute, j'ai eu une invitation l'an passé pour venir faire une chasse avec mon ami Marc. Écoute, on se rencontre à chaque année. Et puis cette année, Marc me dit, hey, Dan, ça vaudrait peut-être la peine, on a un excellent territoire. Ça fait que Marc, je te salue, puis merci de l'invitation, toi puis ta gang. Hein. Ça m'a fait plaisir, là. De t'inviter à venir à cette chasse-là cette année. Là. On a organisé notre territoire, tout est prêt. On m'a passé Sylvain Morin, spécialiste, là, qui est venu faire des salines, qui est venu organiser le territoire. Et on espère là, le gros, le super gros. On se contentera là, de qu'est-ce qu'il y aura là. Exactement. Bien, écoute, des fois, c'est peut-être pas la grosseur. C'est vraiment... Nous autres, avec les caméras, des fois, c'est plus difficile un petit peu. Fait qu'on va plus se contenter d'une belle bête qui vient reste positionnée correcte. Là. Fait que Marc, écoute... On prend notre déjeuner, puis après ça, on est parti. On Excellent. Est prêt. On est prêt. Pour cette chasse à l'orignal en groupe de 6, on se divise en deux puisqu'on a droit à 2 abattages. 3 permis par orignal. Nos 2 équipes de tournage suivront Daniel et Marc.
Première journée de chasse, la décision est souvent difficile à arrêter. Le premier orignal débusqué est-il assez gros? Voici le jugement de Daniel. Oh non, on est au début, on va attendre un petit peu. Mais... Était-ce la bonne décision? Il y a un proverbe qui dit « qui choisit prend pire ». Cette fois, cette incroyable et miraculeuse forêt offre un jeune mâle à la mire de Marc. Il y a de la solidarité dans le bois. On se tient dans les décisions et dans le doute. Mais il y a un impondérable à la chasse. La température peut vous faire regretter les offres refusées des premiers jours. C'est dans les risques de l'attente.
Fait que Daniel, tu vas t'installer ici, OK? OK. Moi, je mets tout le temps plus loin que toi pour faire du rocking. On sait comment ça à l'arc, il faut toujours l'amener le plus proche possible. Absolument. Si l'ornial vient qu'à sortir, je vais essayer de vous le faire virer comme le petit boc que t'as refusé. Okay. Espérons de voir un beau boc ce soir. C'est sûr que c'est notre dernier soir, là, fait que la limite s'en va à... On est toujours côte étant un petit peu restreint. Hein? Ouais. Puis nous annonce une grosse température demain très chaude, fait qu'on est mieux de travailler fort ce soir. À soir, bon, OK. Fait qu'assieds-toi ici. Je m'installe là. Ouais, on va une okay. Non pas qu'on veuille remettre en question le jugement de Daniel, mais notons qu'il a plutôt refusé une bête beaucoup plus grosse que celle-ci. C'est sûr que l'orignal apparaît plus gros quand il est plus près. Et ça, Daniel, on pensait que tu le savais. Et notre indécis chasseur a finalement pris sa douloureuse décision. Il ne savait plus, beau petit. S'il en avait été capable, Daniel aurait appelé sa femme, tellement il était perdu dans son incertitude. Qui choisit prend pire, a-t-on dit? Surtout quand c'est Daniel. Parce que je pense qu'elle a passé bord en bord. Ah, moi, je l'ai bien vu passer bord en bord. Vois-tu, il est allé se coucher tout de suite en plus. Suite? Donc, il a fait 25-30 pieds, là, gars. C'est excellent. Ça, là, gars. Mais Sylvain, dernier soir, mais écoute, comme on dit, c'est pas un monstre, mais je suis content. Je suis content. Les belles images. Nous autres, ce qu'on préconise, c'est les belles images. Mais je suis content. C'est parfait.
pense que notre ami... Chasse propre. Absolument. Donc, écoute, Sylvain, on va attendre quand même une heure, OK? Oh, oui, on sait jamais. Une heure et quart, ça presse pas. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais peut-être ça qu'on y aille voir ou la saline voir. Puis, expliquer ça, ouais, ça serait excellent. Plaisir. Ouais. Fait que, OK, on s'en va pour ça. Parfait. L'orignal a marché en demi-cercle. Il est revenu derrière la saline. Voilà pourquoi Sylvain estime que la bête est tombée à 20-25 pieds. Oh, mon Dan, hein? Regarde, t'as vu l'efficacité de ma saline, c'est épouvantable. Puis je le dis encore au monde, tu sais, pour ceux qui doutent, là, moi, je suis venu avec Sylvain au printemps, OK? Venir faire les salines ici. Je vous le dis, il y avait des plantes framboisiers à grandeur elles-mêmes, là. Puis regardez maintenant, je vous le dis, ça se peut pas. C'est attractif, mois, comme on peut là, dire, c'est vraiment reste, extraordinaire. Puis regardez les pistes les encore alentour. Oui, toutes les traces là, c'était ici avec d'autres orignales. J'ai mis plusieurs produits, par exemple, Daniel, tu sais, oui. Il a mis des blocs, là. J'avais rajouté beaucoup de produits de saline, là, oui. Pour tenir notre orignal en place. Là. Absolument. Des odeurs, surtout. Donc, okay. Pour ceux qui doutent de l'efficacité, là, vraiment extraordinaire. Puis il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise aux gens aussi. Des fois, c'est pas à cause que c'est les gros bocs qui vont venir ici, mais si les femelles puis les veaux se promènent ici, c'est les odeurs qu'eux autres laissent. C'est tout ça qui fait en ligne de compte que tu as plus... d'orignal dans ton Absolument. Territoire autour c'est de en plein ça. Ton secteur de chasse. Là. Fait que Sylvain, en tout cas, en principe, on va aller montrer ça à nos amateurs. Le temps baisse quand même assez c'est rapidement. Vite, là. Fait que c'était quand même, je voulais prendre le temps de venir montrer ça. C'est vraiment important. Donc, au printemps, pour que les gens travaillent le secteur puis tout, là, je pense que c'est... indispensable une saline dans la chasse. Absolument. Ici, la fin de la journée approche. La clarté s'estompe, le temps file. Il faut se presser. Bien, ton boc est là, Dan. Ah, je le savais. Écoute, après deux bonnes heures d'attente, oui, bien vital. C'est vital, mais on savait quand même, il faut qu'on laisse le temps à la bête de... mourir. Exactement. Félicitations, Dan. C'est beau, Sylvain, merci beaucoup. Ouais. Je pense que nos amateurs de chasse vont être servis à soi parce que, écoute, le petit boc, là, je pense qu'il a fait le tour du caméraman. On le voyait aller, puis on ne savait pas si on allait le tirer. Mais je pense qu'on a un commun accord. On était rendu à notre dernier soir de chasse, fait qu'on était bien contents. Les images sont bonnes, puis le résultat est là. Entre-temps, nous autres, on a lâché un petit bip à notre chum Marc. Écoute, on va aller le rejoindre, puis on va aller montrer notre bête. Ça fait que on est parti. Bientôt. Alors, sur ces images, on va dire à nos spectateurs qu'écoute, Sylvain, on a fait quand même une belle semaine, super bien. Mais qu'est-ce qui est exceptionnel, OK? C'est que là, présentement, on vient d'abattre notre petit mâle hier soir. On voulait quand même en reparler. On en attend avec un autre gang. Puis cette année, on a vraiment un record. On a 68 pouces de panache. Puis, on vous... Donc, moi, j'en ai 16. Hey, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous montrer qu'est-ce que nos amis ont réussi à récolter à l'arc. Un beau boc de 52 pouces. Alors, les gars... 53 pouces. Hein? 53 pouces. 53 pouces. Hey, on est rendu à 69 pouces. Mais comme on dit, c'est pas avec le mien que... Mais c'est pas grave, les images sont bonnes, les gars. Félicitations. René. René, ton premier. Francis, Hugo, super les boys. Francis, Francis, Hugo. Afin que... Félicitations Marc aussi, hein? Félicitations Daniel. Good. Yeah. Les boys, boys. Puis sur ça, ben écoute, on s'en va à notre deuxième film de chasse à l'Orignal. Puis regardez bien les images, on est supposé de faire quelque chose de super beau. À tout le monde, à tantôt. Dans le deuxième segment de cette présentation, notre équipe accompagnera trois chasseurs. Daniel sera avec Patrick et Yvan et deviendra leur guide. Sylvain, lui, sera avec Martin, un chasseur depuis quelques années, mais qui n'a encore jamais réussi à faire tomber un orignal. Sylvain veut que cette année soit celle de Martin. Un défi. Un premier orignal à vie.
Puis Martin, quand on arrive à notre saline, comment il s'est labouré. En plus, tu as la chance de vivre une première expérience avec un guide. Puis tu vas voir comment les préparations de tout ça entourent vraiment une chasse à l'Orignal. Tu as déjà une présence de mort l'Orignal qui a nous gratté ici. À côté de notre saline, on sait qu'il y a un boc dominant en partant qui est dans les alentours. Fait qu'on va lui mettre des produits pour le convaincre à être encore dans la saline puis qu'il y a une autre présence d'un autre mort dans son secteur. Fait qu'on va lui mettre un petit peu d'urine ici. Puis après ça, on va y aller avec nos séances de call, nos séances de rocking. Fait que Martin, viens ici un peu. OK. Va mettre vraiment de l'urine, OK, pour que nos orignales, vraiment, c'est sécure de rentrer dans la saline, OK? C'est sûr que, gars, on voit que les blocs ont vraiment été lichés, OK? En plus, j'ai mis beaucoup de quantité de soufre ici, de sel directement pour, de minéraux pour attirer nos orignales. Ça, c'est certain que les orignaux, pendant l'année, ils viennent ici, fréquent. J'avais commencé ma saline en juin, gars, comment c'est rendu piloté. On y a mis l'urine, puis notre orignal ce soir, ou demain matin, il va venir directement sur le setup et il n'aura pas peur. C'est sûr que vu qu'on a un beau mâle dominant qui a gratté de fois après nos arbres ici, il va y amener un autre produit qui va faire une fausse souille. Okay? L'orignal, le mâle, il va penser directement qu'il n'y a aucun problème, qu'il y a un autre mâle de rentrer dans son territoire. Fait que tout va être convaincu qu'il n'y a aucun problème à rentrer ce soir sur mes appels. Puis nos odeurs humaines, on va tout cacher ça bien comme il faut. Il n'y a aucun trouble. OK. Et on y va. Oui. Martin, on gratte avec nos pieds directement de même, OK? On va lui mettre un produit qui est des nogs. C'est ça qui va directement imiter une souille pour nos orignaux. C'est certain qu'à l'année demain matin, avec mes appels, qu'il y aura une trace d'orignaux directement dans la souille. Ça, c'est sûr, certain. Le produit est vraiment olfactif. Il fait qu'il n'y a aucun problème que l'orignal, il sait que c'est un orignal. C'est fait avec des produits d'orignal. Que l'orignal va venir directement. Je suis certain de qu'il va arriver. Tu vois, il va y avoir une trace d'orignal dans l'orignal. Okay. On y met une bonne quantité. Voyez-vous, là, c'est tout... Puis en plus, vu qu'on est dans une température qui mouille directement, fait qu'il n'y a aucun problème. Ça va rester, ça va rester même beaucoup, même s'il mouille beaucoup. Ouais. Contrairement à l'urine. Lui est beaucoup plus efficace longue durée. Scindé. Tu le sens, c'est? Ah oui, ça dégage. Ça dégage l'odeur terrible. Là. Fait que là, notre orignal, il va venir directement, comme je t'ai dit, on limite directement un autre mâle qui est rentré dans son territoire. Avec mes sons de femelle, avec la provocation de mâle, puis mon rockling, ça convainc tout notre orignal. Puis on y va là-dessus, Martin. OK. Puis on va y aller pour nos séances de call. On va s'installer bien comme il faut. On est prêt. On y va. Du mouvement devant le poste occupé par Yvan. Une femelle suivie de son veau. Bouffant tout doucement les feuilles, la grande dame approche.
Ici, c'est le brouillard qui devient obstacle. Le champ de vision diminué, Martin doit compter davantage sur son acuité auditive. Comme un fantôme, un orignal apparaît. C'est gros. Attends. Oh! Martin est légèrement contrarié. L'occasion est en or. Et on ne tire pas. On attend encore. Ça gronde dans la caboche. C'est l'attente du gros mâle. Daniel y est allé de quelques cris, quelques appels, et la réaction des jeunes orignaux est la plus rapide. Que Martin s'est vu suggérer fortement l'attente devant un panache de 36-37 pouces, Patrick doit aussi attendre. Le gros bétail, le mastodonte. Sylvain est toujours en mode défi. Il ne veut pas décevoir Martin. Il veut le voir abattre son premier élan d'Amérique. Oups, frottement de branches. Oui, un autre mâle. Et cette fois, le panache est imposant. Position. Prêt à faire feu. Il attend. Le stress est à son paroxysme. Les sueurs apparaissent. Celui-là, il est beau. Yes, Martin! On va oublier, c'est encore lui! Martin! Yes! Yes! Il était petit l'autre tout à l'heure, hein? Il était... Merci, les gars! Merci! Merci, les gars! Asto! 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 C'est mes frères! First one! First one! 50 mots! First one! Asto! Wow, wow, wow! Aidez-moi, Martin. Yes.
Un maudit beau coup de carabine, Martin. C'est l'enfer, ouais, la Sfigère. Ça a fait à peu près 100 pieds. King, Sylvain. Une décade belle bête. On va aller voir ça. J'ai entendu râler tout de suite. Là, d'après moi, il t'a dit il a fait 125 pieds. Ah, ouais. Tu l'as bien, bien pogné. Là. J'espère que nos spectateurs vont voir la belle chouette encore une autre fois. Excellent. Hey. Good. Ouais. Allons voir notre bête, Sylvain. Beau travail. Hey, c'est tant mieux, ça. C'est le fun, hein? Ça va, oui. Fermez ça sur le col, de même. C'est épouvantable. Martin, ici, il y a un petit peu de poil, regarde ton impact de ta balle, là. Vraiment ici, là. Et qu'on va aller voir notre bête, d'après moi, il n'aura pas fait long. Regarde, on voit bien ses traces ici. Ah oui, on voit que. Il y a ici, en profond. Il a coupé une branche. Fait que notre animal, on sait qu'il est pogné fatal. Fait qu'on va s'en aller tranquillement vers notre bête. Tout en watchant, prépare tout haut ta carabine en cas, mais de la manière qu'il a râlé, je suis pas mal sûr que notre animal est à terre, là. Tu le verras bien, bien coffré. Il y a Martin, notre bas, qui est là. Yes! Il est bien dans la terre. Garde ta bête! Garde ta bête, Sylvain! Hein? Wow! Moi, il palette de ça, toi. Ouf! Bien blanc! Hey, Martin! Encore félicitations! Hey. Merci, Sylvain. Pour moi, il est un beau 50-52 pouces, certain. Ah oui? Oui. Oh, une belle, belle bête. Très, très belle bête. Alors, on voit bien que notre animal, il ne bouge plus. Il n'y a aucun problème. La tête ne... Il n'y a aucun trouble. Tu peux décharger ton arme. Enlève ton clip aussi. C'est beau, parfait. Tout est beau. Ouais. Tout est beau. Yes! On va arriver dans notre bain. Hey, gars, moi, c'est un numéro un. Mon numéro un. Hey, ces belles palettes qu'il y a là-dessus, hein? Oh, dans la brume, les spectateurs, ça va faire tout un film. C'est la première fois qu'on fait ça dans la brume de même, là. C'est quand on était sur le bord de ne pas filmer ce soir. Oui, c'est à la limite. Hein, c'est à la limite pas mal. Hey, citation, ouais. Martin. Merci, c'est une belle bête, c'est l'enfer. Hein? Hey. C'était une bête. As-tu vu la patrie validée? Ah, ça a été toute une bête. Ouais, mais les gars, c'est vous l'avez dit qu'on allait avoir un petit bonbon à faim. Fait qu'on en mérite une bonne. Merci. Tiens, Sylvain, mon ami Patrick. Merci. Après ça, Yvan. Merci. Hey, tout qu'un waiter, j'ai été déjà été ouais, grand, tu fais bien ça. Martin. Merci, Dan. Merci, Dan. Et il reste... Mon oncle Dan. Mon oncle Dan. Mais les gars, je vais vous dire encore félicitations. Je pense qu'on a vécu un rêve. Ça n'a pas été facile cette année. On a eu une température vraiment exécrable. On a eu de la pluie. On a été dans la brume une partie de nos quatre jours. Ça a été l'enfer de la brume puis de la pluie. Mais les gars, je pense qu'on a fait un bon travail. Sylvain nous a encore montré ses talents de caller. Oui, c'est un pro. Vraiment un professionnel. Puis félicitations. Mais toi, Martin, on parle de Sylvain, puis on parle de température. Je pense que tu as vécu de quoi d'assez spécial. Hey, ton premier orignal, que c'est toi qui tires. J'aimerais ça que tu me dises tes impressions un petit peu. Ouais, l'impression, c'est sûr que l'impression, c'est extraordinaire qu'est-ce que ça peut être. Là. Oui. Sauf comme faire refuser un autre petit boc juste avant, à peu près comme 10 minutes avant. C'est ça, ça que ça n'a pas été facile. C'est ça que je voulais te demander, puis pas par n'importe qui. Ça aurait été moi, tu aurais peut-être à regarder moins un peu, mais là, c'était Robert, notre caméraman, qui a dit « tu tires pas après ça ». Là, j'ai dit, il va halluciner, mais je pense qu'on va te voir le visage un peu. Ouais, je pense que t'étais pas content. J'ai lâché un petit regard à Bob. Bon, ben, c'est super, super. En tout cas, les gars, félicitations encore, puis à tout le monde, je voulais vous souhaiter une belle saison de pêche puis de chasse pour 2007. Puis, salut tout le monde! Salut! Yes, sir! Salut!